Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un road trip. J'étais parti pour faire un château, mais là, c'est mal parti. Je suis tombé sur ça, sur ma route. Et pour l'instant, quel moyen d'y accéder ? Tout le temps, j'ai une mort partout. Produits chimiques. Qui faisait ici, mais ça devait pas être joli joli. Putain, c'est barricadé, tu es barricadé. C'est sûr. On va aller voir rien. Chier. Bon, on va essayer de faire le reste. Il faut que les fenêtres ouvertes. Hein. On va essayer de rentrer. Faire le tour déjà. Activité carrément. J'ai réussi à rentrer. Dans un sale état. Je suis absorbé par l'exploration, je ne sais même pas quoi dire. C'est un laboratoire. Sûrement, je sais pas. Toujours ces affiches qui sont partout.
c'est pas extraordinaire, mais... il a dû s'en passer des choses ici. Voilà, en se rendant d'un spot à un autre, on trouve des choses hallucinantes. Encore de l'insolite. Bon, il a été repeint un peu cheap, mais bon. L'autre là-bas, il est mieux. Sacré engin. Bon, celui-là, il est pas abandonné, bien sûr. C'est un monument. Mais ça reste quand même impressionnant à voir. Hein. C'est une taille énorme. Celui-là, il est déjà plus high-tech que ceux que j'ai visité dans la base. Costaud. Énorme. Touche au but en espérant pouvoir y rentrer. Une rotonde. Elle est gigantesque. On va voir ça. Et voilà l'intérieur. Le bâtiment est énorme, il craque de partout, les graffitis. Faire le tour gentiment, voir ce que ça dit. C'est énorme. Éclaté. Les carreaux sont brisés.
Un lieu intéressant. Ce premier bâtiment. Il y a deux bâtiments là encore. Je vais faire quelques clichés. Mais quoi que je vais aller direct. Je ferai le cliché en revenant. Tranquille. Voilà ce que ça donne. On arrive au deuxième bâtiment. On va bien voir ce qu'il nous réserve comme surprise. Si surprise il y a. En tout cas, il y a déjà des oiseaux. Je sais pas ce que c'est qui fait ce bruit là. La tôle. Pas de train, dommage. Énorme voûte. Ah, c'est l'hélice qui fait autant de bruit. On n'a pas de quoi se taper le cul par terre. Hein. Pas le vieux train qui traîne là. Exceptionnel, sympa, mais bon, on peut pas se taper le cul par terre. On va essayer de se trouver quelque chose d'autre. Allez, à tantôt. Dans un spot avec des deux chevaux, le propriétaire il est là-bas, on a un peu engueulé parce que j'étais sur sa propriété, mais bon il est gentil, on a bien parlé, cool, je vais faire un tour vite fait. Paradis, paradis de la deux chevaux, moi je lui ai dit que je prenais des photos, je lui ai dit que je prends des photos en même temps. Siège en mousse. Un intérieur incroyable. Il m'a raconté que c'était son petit-fils qui a une collection de 30 heures. 30aine de deux chevaux, voilà, c'est là où il récupère des pièces.
Incroyable. Superbe collection. Regardez-moi ça. Bon, par contre, il y a eu du vol. Il y a des gens qui sont venus voler des moteurs. Ce qui n'est pas très intelligent. Mais bon. Pour finir, une petite côte. On va pas l'emmerder plus longtemps, c'est le brave monsieur. C'était bien gentil de me laisser faire mes photos. Voilà, tout l'ensemble. Le spot que je voulais vraiment faire. C'est superbe. La vue, elle est pas loin. Je vais le laisser tranquille. Cox. Je connais des passionnés qui rêveraient d'aller récupérer ce petit moteur là. Voilà. On va se retrouver par la suite. Pour la suite. Pour de l'insolite, ça fait toujours plaisir de voir des choses marrantes. Quel colosse! Alors, ça dans l'insolite, je sais pas si on trouve mieux. On va voir ce que ça dit. On va faire le tour. Il y a de la Mercedes qui traîne. Belle Mercedes, vieille Citroën.
bien tiqué, bien explosé. Encore une curiosité qu'on peut trouver au bord de la route. Une espèce d'abeille géante. Regardez sur quoi je tombe par hasard. T'as des tueries. Des tueries, les bagnoles. Incroyable. Magnifique. Je pouvais pas rêver mieux. Oh, top du diquet, quoi. C'est la fin de cette vidéo, je suis sur le chemin du retour, encore 1h30 de route, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à partager tout ce qui bouge, et puis je vous dis à bientôt, allez, bisous.